Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tester trois paquets de cartes. Donc, le un normal, tout à fait normal, qui est du Tour de France qu'on m'a donné. Le second, donc celui que j'avais dans les mains, qui glisse énormément bien. Celui-là glisse assez bien. Et le Marie Brisa que j'ai gagné, qui ne glisse totalement pas. Donc, les cartes comme ça, on voit totalement la différence quand tu fais comme ça. Celle-ci, on peut l'éteindre, celle-ci. C'est voilà. Enfin, c'était celle pour débuter que j'avais quand j'étais petite. On commence tout de suite avec les bicycles. Celle-ci qui glisse énormément bien. Donc, vous êtes prêts? Voilà, ça donne ça. Là, pas super, super bien fait, mais comme ça. Maintenant, on va réessayer. En arc de cercle. Assez loupé parce que ici. Il n'y a pas de carte. Mais on va quand même essayer comme ça, mais j'y arrive pas, voilà. Enfin, voilà, voilà. Et maintenant, on va tester la troisième façon, donc le surfeur. Je sais pas si vous voyez encore ici. En tout cas, ça donne ça. Et voilà, il fait du surf. C'est trop cool. Voilà, voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur ce paquet. Donc pour faire comme ça, pour faire tout ça, etc., pour faire des tours de magie où il faut faire ça, bah, je vous conseille énormément le bicycle. Maintenant on passe au deuxième du Tour de France. Donc je l'ai utilisé peut-être une fois. Donc, voilà, ah bah vous voyez, il y a des cartes à l'envers. Donc, on les met à l'endroit. Voilà, voilà, là on voit qu'il y a une petite animation, etc. Elle glisse assez bien aussi. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé. J'ai essayé que avec les bicycles. Ça va. Ça pourrait faire mieux. Mais sérieusement, ça va. Ah bah regardez. Il y a des cartes à l'envers. On les remet à l'endroit. Et hop. C'est bon. On essaye en arc de cercle. Ça dérape un peu là. Voilà, ça dérape. Ça, elles sont assez bien pour débuter, etc. Mais voilà. Oula. Ça, elle glisse beaucoup. Mais c'est pas la même matière. Celle-ci, elle glisse. Mais il y a quand même des choses pour assez rattraper. Alors que celle-ci, ça fait... Wouh ! Vous avez vu ? Bon, regardez. Là, par rapport à celle-ci. Voilà. Au même jeu. Exactement pareil, elle s'arrête là. On refait. Par d'ici, ici. Vous êtes prêts? Voilà. On voit totalement la différence, donc on refait une dernière fois. Voilà, elle est totalement partie. Donc voilà, voilà. Non, on essaye. Une dernière fois, le surfeur, si j'y arrive. Voilà. On va prendre une de cartes. Hop. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse un tuto pour comment... arrive à faire ça. Il faut d'abord que je retrouve le nom. Donc voilà. Ça c'était avec celle du Tour de France. Donc voilà. Normal. C'est normal. Maintenant avec Marie Brisa, on va faire le test de laquelle va glisser le mieux. Vous êtes prêts? Ok, celle-ci, elle est partie hors de la caméra. Celle-ci, ici. Celle-ci. Celle-ci, elle glisse pas. Parce que regardez, elle prend le moulage de la main. Regardez, je fais ça, hop, moulage. Je fais ça, tout petit peu mouillé. Mais il vaut mieux pas que je le fasse, mais bon. Je fais ça, un peu mouillé, moulé. Mais celle-ci, vraiment, c'est beaucoup. Regardez. C'est totalement ça. Hein. Regardez, hop. Voilà, et tout d'un seul coup, hop, elles sont toutes droites. Du coup, voilà, voilà. Excusez-moi, je suis encore enrhumée. On ouvre les Marie Brisa. Comme je vous l'ai dit, beaucoup, beaucoup abîmés. Même le paquet et tout, ils sont très, très abîmés. Regardez, ça reste bloqué dedans vu qu'elle glisse pas. Les autres, elles restent pas bloquées dedans vu que ça glisse. Mais celle-ci, oulala. Je vous garantis, rien du tout avec celle-ci. Ouh! Assez joli. Non, mais là, je me suis loupée, c'est pour ça. Assez joli, par contre. Ah, là aussi, mais voilà, vous voyez. Attendez.
Elle pourrait, mais justement, on voit qu'elle glisse pas assez. Réessaye. On voit totalement qu'elle glisse pas assez parce que je suis obligée de les forcer. Vous voyez? Non, surfeur. Non, pas surfeur. Arc de cercle. Voilà. On a qu'une qui est partie. Alors, on peut dire ça assez bien pour les débutants, mais vraiment acheter un bicycle. Même moi, je suis débutant, mais acheter un bicycle. Parce que là. Regardez, regardez. Vous ne pouvez pas avec ça. Excusez-moi, mais là, vous ne pouvez pas. D'accord, je l'avoue, il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est pour ça. Il n'y a pas un 54 cartes là. Là, il y a des. Je sais pas combien. Là, c'est un 54. Bicycle, c'est un 54 aussi, normalement. Donc voilà. On va essayer un plus petit vu que c'est pas un 54. Donc, je pense que j'ai du temps. Attendez, je regarde juste la vidéo. Ouais, ça va. Allez, on est dans le timing. Non, attendez, là, je l'ai fait trop grand. Non, attendez, là, c'est pas bien, là. Et oui, Mamadou, c'est pas bien. Voilà. Je me moque pas en disant Mamadou. C'est juste que j'ai l'habitude parce qu'au collège, c'est des délires. Et genre, voilà. C'est assez bien, mais comme vous voyez, je pourrais pas le faire en retour. Donc, verso. Entre ça, et ça. Excusez-moi, j'ai oublié que je fallait pas que je le fasse. Classement. Comme je l'avais prédit, donc ces cartes-là. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. 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 Et voilà. Donc voilà. Ces cartes-là, les bicycles, vous avez les bicycles second. Parce qu'il peut y en avoir d'autres, etc. Mais second, c'est pour les débutants. Elle glisse. Ah vraiment, je vous dis, elle glisse. Hop. Celle-ci, elle glisse énormément, mais il n'y a rien pour les rattraper. Voilà. Celle-ci, bah, pas du tout. Elle glisse pas. C'est du carton, celle-ci. C'est du carton. Enfin, c'est du papier cartonné. Celle-ci, c'est comme si c'était du plastique tout tout neuf. Mais qui accrochait un petit peu parce qu'il y avait des petites fibres, etc. Celle-ci, c'est vraiment du plastique, quoi. C'est du carton plastifié. Je peux pas dire autrement, c'est comme ça. Du coup, voilà. Je regarde combien de temps il me reste. 7 minutes. Je pense que je peux vous montrer vite fait, mais je ferai une vidéo dessus. Parce que là, ça m'étonnerait que ça arrive tout de suite. Parce que là, il faut. Voilà, bicycle, ok. Vous mettez le pouce, je suis droitière, donc je prends avec la main droite. Si vous êtes gaucher, main gauche. Le pouce du côté vers nous, donc ici, parce que je suis là, donc le pouce ici. À partir du majeur, ici, et les trois derrière, les deux derrière le majeur, pareil, ils suivent le majeur. Et l'index, je crois que c'est comme ça. On fait comme ça, vous voyez un petit pli, pas comme ça, comme ça. Voilà. Maintenant, on va poser le. On va le poser. Je dis poser, c'est poser. Comme vous le souhaitez. Hop. On pose, mais on tient. On tient toujours pareil. Seulement. Hop. Désolé, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous voyez bien. Non, voilà. Seulement. Là. L'index. Il va venir là. D'accord? Maintenant, je replace. Excusez-moi, je suis désolée. Je vais replacer un peu mieux. Voilà. Enfin, c'est pas super bien, c'était mieux tout à l'heure, mais bon. Voilà, donc on est toujours posé. Et maintenant, vous faites avec une légèreté, vous faites que ça. Si vous voulez le faire retourner, vous prenez les dernières cartes. Faites doucement pour pas que la carte elle fasse bouger tout le paquet, sinon c'est raté. Et vous la faites retourner. Bien sûr, vous n'oubliez pas, il faut une main tout là-bas. Soit vous allez rester comme ça au début, souvent, parce que vous n'allez pas assez vite, je crois. Donc là, vous pouvez prendre une carte. Une carte au hasard, mais plutôt sur les côtés là où il y en a beaucoup.
vous la prenez, vous faites du surf. Prenez des deux côtés, vous appuyez et vous dirigez. Sinon, vous pouvez aussi faire comme ça. Et voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un arc de cercle, exactement pareil. Posez, vous faites comme ça. Vous circulez votre main comme ça. Voilà. Et après, bah, par contre, c'est super compliqué d'arriver à le faire. Un arc de cercle. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que bah, vous passez une bonne journée, etc. Et je vous conseille fortement un bicycle pour vos tours de magie. Vous allez tout le temps me voir faire avec un bicycle. Ou soit pour vous montrer si elles sont bien ou pas ces cartes avec des maris brillants. Donc, brisards. Donc celle-ci. Hop, hop, voilà. Ou celle-ci vu que c'est mes seuls jeux de cartes. Et voilà. Enfin, quand j'étais petite, j'en avais d'autres qui étaient comme Marie Brisard, celle que je vous ai montrée en premier. Mais les bicycles, c'est encore mieux. Donc achetez celle-ci. Et je vous souhaite une bonne journée. Donc, on va faire une dernière fois. Youhou, c'est raté parce que vous avez remarqué ou pas. Là, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il y en a énormément. Et là, il y en avait très très peu. Et allez, je vais me refaire. Hop. Et hop. Je voulais aussi dire merci à Magie Gratuit. Allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment cool, parce que j'apprends plein de choses moi. Et c'est grâce à lui que j'ai appris ça. Quand j'étais petite déjà, je regardais sa chaîne. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, si ça vous a plu, lâchez un petit like. Partagez, ça me fera énormément plaisir si vous voulez montrer ça à vos copains, vos copines, vos amis, etc. 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 Moi pour l'instant je m'amuse tout le temps à faire ça. Non mais genre c'est n'importe quoi. Je m'amuse tellement. Partagez. Et laissez un like. Abonnez-vous. Je sais pas moi. Faites plein de choses comme ça. Ça sera super cool. J'aime beaucoup aussi avoir des commentaires et des likes parce que j'en ai pas. Sur mes deux dernières vidéos, j'en ai pas. Voilà. C'est dit. J'en ai pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc, si j'en ai pas, c'est tellement dommage. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Et pour les tours de magie, ça peut être vraiment cool de savoir ça. C'est comme si vous deviez faire autre chose. On va essayer plutôt avec de petites. Voilà. Vous avez vu. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Et moi, je voudrais vous dire. Attendez, je me mets un peu à quatre pattes, désolée. Lâchez un max de pouces bleus. Et abonnez-vous. Et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Puis boum, bah. Salut!